Alors, pour vous prévenir dès le début, c'est vraiment un épisode très spécial. C'est vraiment hard en fait ce qui se passe. Donc, vraiment en fait, si vous êtes atteint de dépression ou quoi, genre vraiment si vous avez vraiment des problèmes personnels, etc., qui vous rendent vraiment mal, à propos de que ce soit de l'amour ou de la dépression vers la famille, etc., vraiment. Parlez-en à des gens, mais vraiment cet épisode, si vous êtes vraiment pas bien, regardez-le en compagnie de quelqu'un de confiance. Et voilà, vraiment, si vous êtes pas bien, ne regardez pas cet épisode. Salut tout le monde, c'est GodsRagners et je vous retrouve encore une fois et toujours sur Doki Doki Literature Club. On s'en était arrêté au poème du coup à faire. Mélancolie, sombre, désespoir, douleur, ardeur. Massacre, larmes, cimetière, murmure. Quoi, il y avait combien de 1 là? Faites un petit retour arrière et vérifiez les 1 qu'il y avait. Allez, au revoir. Non mais regardez. Non mais. Mais regardez comment on me regarde. Je t'attendais. Oui, bah oui. Tu es prêt à reprendre notre lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je te dis de ne pas. Encore en retard? Toujours aussi mal poli de ce qui est. Pardon? Pourquoi tu me coupes toujours la parole avec tes hurlements? Qu'est-ce que tu penses, mon nom? Ça se prend. Tu vois, même toi tu reconnais. Ça va passer. Ouais, j'ai oublié de lire. Excuse-moi. Ce n'est rien d'important. Je me sens juste un peu à cran ces derniers temps. En tout cas, inutile d'aborder le sujet. Je me disais juste que je devais te le faire remarquer. Pas que ça m'intéresse vraiment. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Ah, Ogatsu vient d'arriver lui aussi. Tu faisais encore du piano? Oui. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu diriges un club et tu arrives encore à trouver le temps de faire du piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Ça me stimule pour préparer le festival et... C'est vrai, j'avais oublié. À ce propos, Natsuki, on a discuté un peu hier et on a décidé de participer au festival. Cela dit, je comprends que tu ressens ce que tu ressens quand tu dis que tu ne veux pas que le club change. En fait, on est tous un peu comme toi. Alors, tant qu'on y est tous ensemble, ce club ne deviendra jamais quelque chose qu'on ne souhaite pas. En plus, si tu nous aides à préparer le festival, je t'offre un nouveau manga. Excuse-moi, c'était trop marrant venant de toi. Écoute, j'ai réfléchi depuis hier, je reconnais que j'y suis allé un peu fort. J'ai dû me sentir agressé, j'imagine. Je suis consciente qu'on fait ça tous ensemble. Ça ne me gêne pas qu'on se trouve de nouveaux membres tant qu'ils sont sympas. Et si ça pouvait être des filles, ce serait encore mieux. Mais surtout, je voudrais que le spectacle du club soit raté juste parce que j'ai pas voulu participer. Je suis une pro, moi. Alors, je vais vous aider et on va faire ça bien. Ah, je respire. C'est super, hein, Monica? Monica? Ah, oui, c'est génial! Ce ne serait pas pareil sans toi, Natsuki. Et sinon, Ogatsu, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je me disais qu'on pourrait... On a déjà quelque chose de prévu pour aujourd'hui. Oula! Oula, Yuri, calme-toi. C'est vrai? Bien sûr. Ogatsu et moi, on s'est lancé dans un roman qu'on lit tous les deux. Tu devrais être contente, Monika. J'ai commencé à l'intéresser à la littérature. Oui, c'est bien. En fait, je voulais juste... Non, ce n'est rien. Rien d'important. Faites ce que vous voulez. Yes, merci de ta compréhension, Monica. Pourquoi on a pu lire dans ses pensées? En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Hop là, donc ça en passe. Ah, mais c'est encore. Pleure. J'ai peur.
Désolé, mais j'ai une étrange impression déjà vue. Non! C'est la première fois que ça arrive, hein. C'est un peu confus dans ma tête ces derniers temps. J'espère que ça ne s'est pas trop vu. Je n'ai vraiment pas envie que tu me prennes pour une folle alors qu'on commence à peine à passer du temps ensemble. Je veux dire, on a ces petites particularités. Oh non! La musique est belle, mais pas l'arrière-plan. Quand ça bouge comme ça, j'aime pas. Mais quand on les laisse peu de temps après avoir rencontré quelqu'un, c'est généralement vu comme quelque chose d'inapproprié ou de rebutant. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais tendance à partir dans l'excès. Du coup, tout le monde m'évitait. C'est comme ça que j'ai commencé à détester certains de mes traits de caractère. Comme mon obsession pour certaines activités. Et le fait que je suis incapable de m'en contrôler quand je suis trop enthousiaste. Alors, j'ai fini par arrêter d'essayer de parler aux gens. Si personne ne pouvait apprécier ce que je suis réellement, c'était plus simple pour moi de me renfermer sur moi-même. Mais depuis peu, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'on vient au club, mon cœur commence à s'emballer. Et j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Je me retrouve submergé d'énergie et d'émotions que je ne peux pas m'exprimer. Ça m'amène à faire des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. C'est moi, Monica, un comportement bizarre ces derniers temps. Depuis que je fais partie du club, elle a toujours été adorable. Maintenant, je trouve que l'ambiance est plus tendue dès qu'elle est dans les parages. Je ne suis pas folle, hein. Tu vois que tu as remarqué aussi. Ses yeux, j'ai peur. Je ne pouvais pas t'en parler plus tôt parce qu'elle a toujours une oreille qui traîne. On est enfin seul. J'aimerais qu'elle reste un peu ici. Mais c'est pas moi qui dis oui, c'est elle. J'ai envie de rester ici. Pas moi. Rien que toi et moi. Non. Faut rester ici jusqu'à la fin de la séance. Non. Nous on aura la salle rien que pour. Non. Non. Personne ne me donnera envie de me planter un couteau dans la gorge. Non, non, ça ira. Il y a quelque chose au milieu de l'écran là. Je plaisante. Ce n'était qu'une blague. Cela dit, j'aime les couteaux. Ça peut être étrange, mais tu peux pas comprendre si tu n'as pas vu. Quel point il peut être beau. Mais c'est Monica qu'on voit. J'ai une idée. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi un de ces jours? Je te montrerai ma collection de couteaux. C'est acheté chez différents artisans. Je veille à tous les utiliser régulièrement. On ne veut pas qu'ils se sentent délaissés. Personne ne mérite qu'on le délaisse. Personne. Oh, elle a des yeux. Mais oui, c'est clairement Monica là qu'on voit. Là, ça se voit à 2000. C'est pour ça que je suis si contente que tu fasses partie du club de littérature Ogatsu. On n'est plus seul maintenant. On est là l'un pour l'autre, chaque jour. On n'a besoin de rien d'autre. Tu sais quoi? On n'a qu'à quitter le club de littérature. On n'a plus besoin de cette langue de vipère de Monica. Oh, mais dis pas ça, elle est là! Sans parler de l'autre gamine pathétique. Mais arrête! On pourrait rentrer ensemble au lycée tous les jours. Et lire ensemble, manger ensemble, dormir ensemble. Non! Non, 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 non! Non, ça serait pas merveilleux, non! On pourrait rien demander de plus. Ce n'est pas pour ça que tu rejoins le club de littérature. C'est le destin, en quelque sorte. Le destin a voulu qu'on se rencontre. Maintenant, l'heureux débarquement que j'attends. Depuis tant d'années, nous tend les bras. Tu veux bien faire ça avec moi, Ogatsu? Est-ce que. C'est pas mal. On va faire comme si on n'avait rien vu, d'accord? Pas mal. Bah ouais, ça vaut ton poème d'hier. J'arrive toujours pas à savoir si t'aimes l'écriture, mais bon, tu t'en sors plutôt bien. Même si tu passes le plus clair de ton temps avec Yuri. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des activités auxquelles on peut tous participer. Alors t'as pas intérêt à te relâcher, je veux dire. Je sais que je suis présidente, ni présidente ni vice-présidente, mais ce n'est pas pour autant que tu peux me laisser tomber, compris? Alors tu pourrais au moins lire mon poème, mais sache une chose, ce poème a beaucoup d'importance pour moi. Alors lis-le attentivement, ok? Je sais pas comment faire pour aborder ce sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri se comporte bizarrement ces derniers temps. Ça fait quelques jours que t'es là, donc tu vois peut-être pas ce que je veux dire. Oh, elle est trop intelligente, Natsuki! En fait, c'est pas un poème! Elle veut juste me faire passer un message! Non, elle est pas comme ça, elle est toujours calme. Polie, attentive. Tout ça, bon, super gênant, mais je me force à prendre ça sur moi. La vérité, c'est que je suis hyper inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore s'énerver. Je sais pas quoi faire. Je pense que t'es le seul qu'elle écoutera.
Je sais pas pourquoi, mais essaie de faire quelque chose. Attends, je descends. Tu arriveras peut-être à la convaincre d'aller voir un psy. J'ai toujours voulu m'entendre mieux avec Yuri, et alors ça m'attriste de voir ça. Je sais que je vais pas me délester. Je sais que je vais pas me détester. Mais me détester plus tard. Pour avoir avoué ça, mais je m'en fiche. Je me sens tellement impuissante. S'il te plaît, essaie de faire quelque chose. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Je te ferai des cupcakes s'il le faut, mais essaie de faire quelque chose. Je t'en prie. Quant à Monica, je sais pas pourquoi, mais elle s'en tape complètement. C'est comme si elle voulait pas qu'on y prête attention. Ça m'énerve et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Ne lui dis pas ce que j'ai écrit ça. Oui, bah oui. T'as qu'à faire comme si je t'avais donné un super poème, d'accord? Je compte sur toi, merci d'avoir lu cette lettre. Quoi? T'as oublié de bronzer cet été, c'est quoi? Ignore tout ce que je viens de... ce que tu viens de lire. Ça sert à rien d'essayer d'y faire quelque chose. Si Yuri est aussi détestable, c'est de sa faute. Mais non. Si tu passais plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Vraiment, on est trop dérangé pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Oula! À partir de maintenant, il pense plus qu'à Monica. Rien 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 qu'à Monica. Non! Mais non! Mais j'aime pas ce jeu! Parce que j'adore ce jeu. Mais j'aime pas ce jeu! Mais non, mais pas Yuri! Yuri colle mon poème contre son visage et prend une pro. J'aime tout dans ce poème, j'ai envie de l'emporter chez moi au Gatsu. Tu veux bien? S'il te plaît? Ouais, si tu veux! Tu veux te mélanger avec moi au Gatsu? Je n'ai jamais rencontré personne aussi gentil que toi. Je suis tellement heureuse que je pourrais en mourir. Pas vraiment, mais c'est un sentiment indescriptible. C'est normal de ressentir ça, non? C'est pas grave, hein. Il récolte mon poème contre sa poitrine. Je vais le rapporter chez moi et le ranger dans ma chambre. J'espère que ça te fait plaisir de savoir que ton poème est en ma possession. J'en prendrai soin. Je vais même me caresser. C'est la première fois de ma vie. Que je vois un jeu comme ça, d'accord? C'est la première fois de ma vie. J'adore ce jeu. Je m'entaillerai avec cette feuille pour t'avoir dans le. Tu peux prendre mon poème aussi si tu veux. De toute façon, une fois que tu l'auras lu, tu auras forcément envie de le garder. Tiens, prends-le. Ah, j'ai trop hâte. Peut-être que je te le lis. Oula! Oula! Elle a dû manger des pâtes à la bolognaise. Hein. Ouais. Ouah, le son, j'aime pas. D'où révélation suivante. Oh, j'arrive pas à lire. Bassi noir, sa côte opposée, son. Mais c'est pas des trucs sataniques? Épisode d'équitement pour initier moi l'équitement intérieur comme si de refaire le côté. J'ai réellement peur. Y'a encore la musique! Y'a encore la musique, maman! Maman, j'ai peur! Non, il me plaît pas, non! Je l'ai écrit pour toi, non, je m'en fous! Comme tu n'aurais pas remarqué, ce poème parle de. Oui, bah oui! Mais non, mais je connais absolument cette personne, c'était mon frère, et ouais! Oh là là, et surtout il a imprégné de mon odeur. Oh putain, plus que ton odeur, hein. Je suis vraiment la personne la plus intentionnée de ce club, tu me trouves pas? J'ai peur, maman.
J'ai peur. Ouais, va vomir, c'est ça, casse-toi. Allez, toi aussi. Allez, allez, nique ta mère, toi. Nique ta mère, c'est bon? Je t'aurais prévenu. Mais quoi? Mais quoi? Mais j'ai fait quoi? Mais pourquoi? Il est 20h38, d'accord? Laisse-moi tranquille. J'ai fait quoi? Je t'aurais prévenu, en fait. Mais comment ça? Mais oui, non. Non. Bah oui, bah. Aujourd'hui, je me suis entaillé la peau pour la première fois. C'était grisant. Maintenant, je crois que je comprends ce que je ressens. Ce que re... Ah non, ce que ressent. Mais comme je suis censé être la responsable du groupe, je ne pense pas que je le ferai. Si je décide de me tuer, j'ai laissé un petit souvenir de ce moment juste en dessous. Je me suis entaillé pour la peau pour la première fois. Mais ça veut dire que c'est pas. Ça, c'est pas Yuri qui a fait ça. Parce que Yuri, c'est pas la première fois. Faut que je sache être la responsable du groupe. C'est Monica? C'est Monica qui s'était élevée? Mais comment ça, votre attention, tout le monde? Mais tu vois pas que c'est pas normal ce qui se passe? Y a que Natsuki. Non, même pas Natsuki, tout à l'heure, elle. Tout à l'heure, c'était Slenderman! Natsuki, c'était Slenderman! C'est pas normal! Monica, c'est pas normal! Et ta Yuri, elle est bizarre! C'est la personne la plus bizarre que j'ai jamais rencontrée. Tu vois pas ce qui se passe, Monica? Tu ne vois pas que c'est pas normal? Non, tu t'en fous! Le temps d'organiser les préparatifs du festival. Je vous propose qu'on traîne pas trop, histoire qu'on s'en débarrasse. Oui, mais moi je veux me débarrasser de ce club! C'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui? Non! La meuf, elle a failli vomir! Elle m'a regardé avec des yeux, c'était pas humain! Et Miuri l'a remarqué. Et toi, t'étais Slenderman en plus, donc voilà, fais pas chier. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est quelque chose de terrible et sur le point d'arriver. Non! Je vais essayer de finir ce qu'on fait. Je vais imprimer et relire les prospectus. Au fait, même ce que je me disais. Je vais faire des cupcakes, yes. On est sur la même longueur d'onde, c'est cool. Miuri, tu pourrais. En fait, fais ce que tu veux tant que tu penses que ça aidera. Je peux me rendre utile, tu sais. Oui, bien sûr. Bien, je sais déjà ce que je veux faire. Un spectacle politique, ça demande une atmosphère appropriée, alors je vais faire une décoration et installer un éclairage d'ambiance. C'est une super idée ça, et comme ça on a tous quelque chose à faire. Il va m'aider. Prends-toi, ta boule plus facile. Désolé, mais c'est comme ça. Pas moyen, c'est quoi ce plan? Je suis d'accord avec Natsuki, une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. Travail et moi est bien plus laborieux, donc ce serait plus logique qu'on soit deux. C'est pareil pour moi. Quoi, pour tes cupcakes, arrête un peu. Qu'est-ce que t'en sais, bordel? Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder Ogatsu avec pour toi et avec tes. Oui, c'est de garder Ogatsu pour toi avec tes bouquins débiles. Monika, c'est pareil. J'ai rien fait, moi! D'accord, alors arrête de jouer les despotes. Je propose qu'on laisse Ogatsu choisir ce qu'il veut être. Je ne joue pas les despotes ici. Laisse Ogatsu choisir tout seul, d'accord? Ils sont graves. Ferme ta gueule! Oh, quoi? Mais quoi? Mais calme-toi, Yuri! Mais calme-toi! Mais t'étais pas comme ça! Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Putain! On dirait mon ancienne meilleure amie! Et putain! Mais calme-toi, Yuri! Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ferme ta gueule, Natsuki! C'est pas de l'influencer, il est se choisir tout seul. C'est toi qui vas la fermer. Tête de Wam. Oh! Laisse-moi choisir! Je vais se trouver chez toi le week-end si tu veux. Je pense que ça va être super cool. Dimanche, ça te va? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste. Et si, c'est juste. C'est son choix. Non, c'est pas juste. Tu lui donnes des tonnes de choses à faire et tu te gardes Ogatsu pour toi toute seule. Comment te Yuri, tu ne t'as rien donné à faire. C'est toi qui l'as décidé toute seule, j'avoue. C'est un peu raisonnable. Un peu raisonnable. Oh, il y avait la grosse tête de Yuri, m'a fait peur. Tu te prends pour qui? Oh! Elle me fait peur! Elle me fait peur! Tu piques Ogatsu chaque fois qu'on t'inclut pas dans quelque chose. Tu es jalouse ou quoi? Ou folle peut-être? Mais genre, c'est Monica qui est folle! Genre, c'est Monica qui est folle! Mais à quel moment c'est normal? J'en perds ma voix! J'en perds ma voix, ce n'est pas normal! Qu'est-ce que tu fais, Yuri? Je ne comprends pas. Oh, je vais prendre Sekiro, d'accord, et je vais y jouer.
D'accord? Je vais le platine. Voilà. Genre, c'est Monica qui est folle. À quel moment? À quelle heure? Quel moment? Quelle heure? Quel jour? Quelle montagne qui fait moins de 2 mètres? C'est Monica qui est folle. Tu détestes tellement que tu te venges sur les autres. Tiens, tu n'as jamais pensé à te suicider? Ce serait très bon pour Satan. Oh, grosse pute. Oh la tête de ma... la tête de Wam, la tête de moi, d'accord. Oh la tête de moi. La première personne qui vous souhaite ça. Oh, vous foutez la meilleure droite de votre vie, d'accord. Oh, c'est coup de tête, balayette, coup de quéquette. Ah, je vous promets. En fait, tu me fais un peu flipper là. Non! Viens de ceux qui l'ont s'en va. Je crois qu'on gêne là. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Tout ce que je veux, c'est passer du temps avec lui. C'est vraiment trop demandé. Yuri accompagne Monica et Natsuki jusqu'à la porte. C'est un sacré numéro, Yuri. Hein. Monica passe un petit rire alors que Yuri referme la porte sur elle. Mais c'est elle qu'on entend là? Voilà, c'est tout ce que je demandais. Gatsuki n'a pas passé le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens plutôt chez moi. Toute la journée, rien que tous les deux. Ce serait merveilleux. Hein. J'ai vraiment un problème, moi non. Mais tu sais quoi? Je m'en moque maintenant. Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Mais non, mais moi je suis pas bien! Hein. Être avec toi, c'était au mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je crois que tu me rends accro. J'ai l'impression que je vais mourir si je ne respire pas le même air que toi. Oh, mais y a les rires derrière! Ils sont pas si super d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi. Non! Non! Vaut mieux être au sol que mal accompagné! Quelqu'un qui voudrait que toute sa vie gravite autour de la tienne. Je me demande quand même si c'est bon. Donc pourquoi j'ai de plus en plus l'intuition que quelque chose d'horrible va se produire. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu essayer d'arrêter. Mais c'est trop fort. Et maintenant, je m'en contrefiche. Oh Gatsu, il faut que je te le dise. Je suis folle amoureuse de toi. Non! J'ai l'impression que chaque parcelle de mon corps, chaque goutte de mon sang hurle ton nom. Je me fiche des conséquences. Même si Monica nous écoute, j'en ai rien à faire. Je t'en prie, Gatsu, juste que tu saches combien je t'aime. Je t'aime tellement que ça m'arrive de me toucher avec le stylo que je t'ai... Mais c'est quel genre de personne? Mais c'est quel genre de personne? Il y a vraiment des personnes qui existent comme ça? Mais je... Ah! Écoutez, si j'ai si j'ai la une femme, une meuf ou quoi, que je crois que c'est la femme de ma vie, d'accord? Que vraiment, genre, pour moi, c'est la femme de ma vie, et qu'elle me balance, je t'aime tellement que ça m'arrive de te toucher avec le stylo que je t'ai volé, qu'elle me passe des trucs remplis de sang, qu'elle se taille les veines. Qu'elle souhaite aux autres de mourir, etc. Toi va crever. Toi va crever, et puis voilà. Au pire, c'est bien ça aussi. Je voudrais t'ouvrir la peau pour me glisser en toi. Oh, mais non! Je te veux pour moi tout seul. Non! Je dirais qu'à toi. Ce serait merveilleux, non? Dis-moi, Gatsu. Dis-moi que tu veux être mon amant. Est-ce que tu veux être... Dis-moi. Mais non! Je sais pas! Je sais pas! Bon, on va lui faire plaisir. Alors là, c'est une scène vraiment très 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 hard. Alors si vous voulez pas la voir, elle est directement à 29 minutes 54. Voilà. Plaisir. Mais je t'ai dit oui! Oh, c'est la pire image que j'ai vue de toute ma vie. Wow! Je peux pas revenir en arrière en fait, genre. Je suis obligé juste de... Mais elle est morte là, mais c'est... Bon,
plus, j'ai l'impression qu'une journée est passée, justement. Mais pourquoi je reste devant ce cadavre? Enlevez-le-moi, j'ai peur, mais j'ai réellement peur. Mais ça me met mal, en fait. La musique, elle fait peur, il y a tout qui fait peur. Ça veut pas s'arrêter! Ça veut pas s'arrêter! Ça veut pas! Ça veut pas finir! Donc là, c'est le matin. Oui, il y a réellement une journée qui se passe. Oh, ça me met mal. Ça me met tellement mal. Mais arrêtez! Je vais quitter. Je vais quitter, je suis trop mal. Je suis beaucoup trop mal. Je peux pas revenir au... Vous vraiment retourner au menu principal pour... Oui. Et je peux pas revenir au menu principal? Je peux pas quitter? Je peux rien faire? Non, en plus, il y a même plus de musique. Mais arrêtez, mais il était taré, le développeur! Mais sauvez-moi de là, mais sauvez-moi. Je peux vraiment pas quitter. Je peux... Je... Le bouton PlayStation ne marche pas. Le bouton PlayStation ne marche pas. J'hésite à éteindre ma play, hein. J'hésite réellement à éteindre. Mais genre vraiment. Et genre ce jeu il est aussi sorti sur Switch. Imaginez, il y a des parents, ils l'achètent en mode c'est tout innocent et tout. Et t'as le gosse, il comprend pas et... Non après je crois... Oui, y a un disclaimer au début et tout, enfin genre... Mais elle est en état de décomposition! Son sang est devenu noir! Je crois que ça passe plus vite si genre je... Je comprends pas pourquoi il y a une fois sur deux il y a le... Tiens, t'es déjà là. Tout ce qui s'enfuit. Oh! Tout ce qui passe en courant. Oh.
Mais pourquoi tu rigoles? Oh, c'est dommage. Tout va bien. Tout va bien, c'est normal, c'est dommage. Mais non! Mais non! Arrête, tu restais ici tout le week-end? Bah oui! On disait que le script était bugué à ce point. Quoi? Je suis désolé. Il n'a pas dû être très marrant. Mais je vais me rattraper. Donne-moi une minute. Natsuki a été supprimé. Mais c'est vraiment vomi dessus, Natsuki? Je vais rester ici sous le week-end. Je vais me rattraper, d'accord, donne-moi une minute. Oui, mais t'as fait la même. Ça ne prendra qu'une seconde. Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai qu'un écran noir? Peut-être. Ça ne sert plus à rien de sauvegarder, t'en fais pas, je serai toujours là. Mais j'ai l'impression que mon jeu est bugué. Bon, on va s'arrêter là. C'était Ogatsu Ragnar, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.